déposer un petit bol de fruits. What's up guys, welcome back, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau weekly vlog. Oui, vous avez bien entendu, j'ai pas dit moving vlog. On va tranquillement recommencer la routine normale dans mon nouvel appartement. Je suis vraiment excitée là, de commencer à faire ça. Pas mal toutes les boîtes sont défaites, il reste juste les boîtes d'organisation puis de déco. Il y a le bureau là que j'ai pas touché encore puis c'est le gros bordel. Il y a encore plein de boîtes, j'ai pas encore mon rack pour mettre mes nouveaux vêtements. Fait qu'ils sont tous encore dans les sacs de poubelle, c'est zéro organisé. Ça, à chaque fois que je rentre dans mon bureau, je suis comme bon ok, on regarde pas dans ce coin là. Jusqu'à ce que je m'assoie à mon bureau parce que ça m'énerve à chaque fois que je le vois. Fait que là, moi quand je fais du montage, c'est tout en l'air de moi, mais dès que je me lève, je suis comme ugh. Plein d'affaires. Fait qu'en tout cas, ça c'est à faire cette semaine. Je vais l'avancer le plus possible. Je serais juste à comme décorer puis vraiment entamer le processus de vraiment vivre dans mon appartement. En tout cas, je suis pas contente de vous retrouver aujourd'hui. Je commence ça avec de la vaisselle et des bons bols de fruits. Pour vrai, c'est genre ma passion, les bols de fruits là, comme... So yummy! Ces derniers jours, on se sent comme l'été, il fait tellement beau dehors, il fait comme des 20 et plus, fait que ça fait full du bien, puis ça me tente full de manger frais. Je mangerai plein de salades, puis des bols de fruits, puis en tout cas, je suis comme toute excitée. On est allé au Costco au début de la semaine, donc c'est pour ça que j'avais comme des bons fruits frais, là, fait que j'étais full contente. Je sais même pas s'ils sont bons, je vais vous mettre sur la tonne de linge que j'ai à plier tantôt. Ok, on va goûter à ça. J'aurais dû prendre une fourchette. Les fraises sont vraiment bonnes. Ils sont un peu surettes, mais sont bonnes. Les kiwis! Vive le Costco! Pour les grosses quantités de fruits, là, moi, je suis vraiment pour. Mon chum s'en va au parc ce soir voir un ami, puis après ça, quand il va revenir, on va pouvoir se faire à souper. Fait que je vous montrerai, là, je sais même pas qu'est-ce qu'on va faire encore ce soir. Peut-être des Pokéballs, je sais pas. Sinon, je vais trouver, mais en tout cas, je vais arrêter de parler, je vais manger ça, puis see you later! Ah! Non, je sais, avant de faire du montage, j'ai la preuve dans ma face devant moi. En plus, je l'ai dit tantôt, mais je viens de setuper ma caméra sur la tonne de linge propre que j'ai à plier. Fait que je vais manger mon bol de fruits, plier mes vêtements, puis après ça, faire du montage. Le menu de ce soir, un bon Kraft Dinner! Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé. Pour le moment, on dirait que j'ai oublié le goût. Je sais même pas si je vais aimer ça ou si je vais être comme « ew ». Il est 9h, j'ai fait comme plein de montage, j'ai tout plié les vêtements. J'ai fait un petit peu de planification pour les prochains jours. Là, ça, je vais nous faire à manger, puis peut-être que je vais continuer le montage après, ou on va peut-être continuer un film Marvel, parce que je sais pas... Ça, c'était mon job. Parce que je sais pas si je vous en ai parlé, mais on se retape toutes les Marvel, puis en ordre, jusqu'à Avengers Endgame. Fait que, en tout cas, c'est bien excitant, là. Si vous aussi, vous êtes des fans de Marvel, genre, faites-le, ce marathon-là. Tellement bon. Comme les premiers sont bons, mais plus ça avance, meilleur c'est, plus tu vois que genre leur budget était vraiment plus gros, là, puis le CGI, puis l'histoire, puis genre, on est tout le temps surpris, c'est tout le temps bon. Fait qu'en tout cas, je suis comme en train de me hype en ce moment. Fait que je pense qu'après avoir mangé, on va écouter ça à la place que je fasse du montage, puis ben je ferai du montage demain. Finally! Verdict, le smoothie est vraiment bon. T'as fait ça comme un champion. Yes, sir. C'est full de bon! Fait que là, on va être prêt à écouter un petit Marvel. Hello! Le plan d'aujourd'hui, c'est d'aller faire des petites commissions. On doit aller au... tout mélangé, on a plein de place. On doit aller au HomeSense, mon sport pour des trucs de vélo pour mon chum. On doit retourner au Costco parce qu'il y avait quelques trucs qu'on avait oublié d'acheter là-bas. Peut-être qu'on va regarder pour un déshumidificateur. Fait que let's go! Et nous, on vient de revenir. J'ai tellement chaud là. Oh my god. C'est tellement beau et chaud.
Pour vrai, je me sentais comme en Floride, puis je suis tellement surprise. On n'a pas d'air climatisé dans notre appartement, puis quand on rentre, c'est vraiment frais. Ça fait vraiment du bien, puis ça fait pas un gros contraste comparé au l'air climatisé vraiment, vraiment froid, qui est comme je finis par mettre un chandail. On dirait que la température, c'est comme si on était dans le sous-sol, vu qu'on est sur un plancher de béton, mais on est au rez-de-chaussée, puis on a full de luminosité. Enfin, en tout cas, je suis bien contente, mais la chose qu'on a remarqué, c'est que c'était vraiment humide dans l'appartement, par exemple. Fait que, justement, on est tout de suite, on voulait pas niaiser avec ça, là, avec les températures de ces temps-ci, là. On est allé s'acheter un déshumidificateur, comme je vous avais parlé, je pense, avant de partir. Fait qu'on a trouvé celui-là, c'est le Toshiba, je pense qu'il était comme 198$. Et pour une basse capacité d'humidité, dans le fond, la haute capacité, c'était genre si tes murs puis plancher, ils suaient. Fait que nous, c'est pas le cas, fait que ça, je pense que ça va être vraiment parfait. Si jamais il y a des journées plus humides, on aura juste à vider un peu plus souvent le bac quand il va être rempli d'eau. Sinon, on est allé au Costco, comme je vous ai dit, il nous manquait quelques trucs, dont ça ici, c'est genre mes puddings au chocolat préférés. J'ai acheté aussi la boîte de canne de pois chiche parce que je veux vraiment faire de l'humus maison. Puis sinon, j'en mets beaucoup dans des salades de pâtes, je trouve ça vraiment bon. Sinon, on a acheté une boîte d'éponge Monsieur Ness. Mon chum l'utilise pour nettoyer l'auto, sinon moi pour le bain ou quoi que ce soit, c'est le fun. On a acheté une boîte de Swiffer parce que j'avais oublié la dernière fois. J'ai acheté un sac d'amandes. Je voulais acheter des noix de pain parce que j'ai un gros basilic, je veux faire du pesto. Mais finalement, je vais prendre des petites amandes comme ça. J'ai acheté la boîte de Milkadamia qui me rappelle Toronto. Je revenais d'un business trip. J'avais comme 3-4 heures d'attente à l'aéroport. J'étais allée à un petit café puis j'avais pris un latte. Puis je lui ai demandé s'il y avait des laits sans lactose. Puis il m'a dit, tu vas voir, tu vas être vraiment surprise, c'est vraiment bon. Oh my god, guys, c'est tellement bon. Genre dans mes souvenirs, c'était juste insane le goût. Vraiment, j'avais tombé en amour quand il me l'avait fait goûter. Puis sinon, obviously, ça j'avais vu la dernière fois. J'ai pris le temps d'y penser. Puis j'arrêtais pas d'y penser. Puis dans le fond, pour 27$, t'as un kit de 4 pièces de la marque iDesign. Je sais pas si vous la connaissez, mais c'est comme la best brand ever pour les petits compartiments comme ça en acrylique. Je suis tellement contente là, parce que juste un, ça vaut 15 à 20$. Puis là, pour 27, t'en as 4. Il y en avait presque plus. Fait que je sais pas quand vous allez voir la vidéo s'il va en avoir encore, mais ça vaut fou la peine. Celui-là que j'ai pris, les compartiments sont plus courts. Mais sinon, il y avait un autre set pour mettre dans le frigo. Là, fait qu'ils sont vraiment plus longs pour aller jusqu'au fond. Je suis allée au Winners aussi. Puis j'ai acheté deux choses comme ça pour, encore une fois, mettre dans le pantry. Voir tout mettre les pots de sauce, tout ça, ça va vraiment bien parce que tu le tournes comme ça. Puis tu peux avoir accès à tous tes pots. J'ai acheté un fouet parce que celui qu'on a, il est comme en rubber, mais il est trop mou. Fait que celui-là, il est vraiment ferme. Là, ça va mieux aller pour brasser quelque chose qui est un peu plus consistant. Parce que l'autre, c'est un peu plus pour les trucs liquides. Je trouvais que j'en avais pas assez de juste une. Fait que j'ai pris une deuxième paire de pinces, puis ceux-là sont un petit peu plus courtes que eux qu'on a présentement. Ça ici! Fait qu'on va pouvoir mettre toutes nos capsules de café à l'intérieur de celui-là. Puis le tout petit comme ça, je me suis dit qu'on allait pouvoir mettre le miel. Fait que voilà pour mes petits achats d'aujourd'hui. Je suis vraiment contente. Puis là, je vais ranger tout ça. Puis je pense que je vais manger un snack parce que j'ai faim. Je pense que je vais faire mon pesto aussi après. Puis va falloir que je fasse du montage aussi. Fait que, en tout cas, see you later! Wouhou! On a parti notre déshumidificateur. Sinon, je suis en train de me faire couler un café. Je vais goûter au fameux lait. Celui-là, il est non sucré. Fait que je sais pas si ça va goûter différent. Mais je suis sûre que je vais l'aimer quand même. Je vais faire un petit café glacé. Ok, je vais goûter à ça. C'est vraiment bon, mais je sais pas si c'est mon café parce que je me suis rendu compte que j'ai pris le café à la vanille de Nespresso. Mais je vais le réessayer probablement demain matin avec un café normal là, sans qu'il soit vanillé parce qu'on goûte un petit peu le goût de vanille. Fait que je pense que ça pourrait peut-être masquer. Ah, ben en fait, mon chum il en veut un. Fait que je vais en faire un avec le café normal. Puis je vais vous dire si c'est bon ou pas. Ok, fait que je vais goûter. Ah ouais, c'est vraiment bon. Je trouve honnête, ça change pas le goût du café comparé à genre le lait d'avoine ou le thé. Bon, je viens de sortir tous les petits ingrédients que j'aurai besoin pour faire de l'humus maison. C'est une recette que je vous ai déjà partagée là, dans une vidéo, une journée dans mon assiette. Fait que je vais vous mettre le lien dans la bio si jamais vous voulez aller la voir puis avoir tous les détails sur la recette. Elle est vraiment vieille la vidéo, mais la recette est toujours bonne. Fait que je vais faire ça right away. Ok,
ça je l'ai pas spécifié, mais je vais ajouter un petit peu de vinaigre dans mon hummus, juste pour avoir le petit goût vinaigré, là, un peu comme le hummus qu'on retrouve en épicerie. Puis je vais mettre environ peut-être une cuillère à table. J'y vois vraiment à l'œil, là, mais comme je sais un peu quel genre de goût je vais vouloir, je vais juste en mettre un petit peu, j'en rajouterai plus tard. Oh my god, guys, ça a l'air bon. C'est pas assez smooth. Mais je pense que je rajouterais un peu de vinaigre. Faudrait que je le broie plus, mais au lieu d'être à l'eau, je devrais le faire à high. Je pense que là-dedans, ça va bien pour broyer comme au début. Mais là, je vais le switcher dans mon blender pour avoir vraiment la consistance full lisse, full agréable en bouche. Let's do this! Oh my god, la texture a l'air full fun. Ouais, vraiment parfait ça. Oh my god, c'est full smooth. C'est tellement bon. Veux-tu goûter? Il est bon, hein? C'est tellement pas pareil comme quand je... C'est tellement... T'as une autre affaire. C'est genre resto, là. On va manger ça, puis après, je vais faire le pesto. J'ai gardé un petit peu de pesto dans le blender ici parce que je vais ajouter de l'avocat puis d'autres pesto, obviously. Je vais faire vraiment une sauce au pesto comme full crémeuse. Je vais rajouter des petites amandes grillées. J'ai déjà préparé l'eau, fait que je vais pouvoir la faire bouillir tantôt parce que là, il est 7h20. Mais vu qu'on vient de manger une tonne d'humus, là, on n'a pas vraiment faim. Ça va être une bonne pâte là qui sont un peu style pâte fraîche. Fait que ça va être tellement delicious. Fait que je vais sortir un peu de la cuisine, je vais aller faire du montage, puis après ça, je vous montrerai comme le résultat final de notre repas. Là, je filmerai pas comme tout le processus. Puis c'est ça. Regardez-moi ça. J'ai fait des plus petites portions, mais ça va être super bon. Fait qu'on va manger ça. Puis regardez. On s'est commandé les petits pots. 2 boîtes en plus. Oh my god, ça va être trop bon. On a pris, comme à l'habitude, les chocolats locaux puis les crèmeux à l'érable. Oh my god. Special day! On s'en va chercher mon chien tantôt! Parce que mes parents partent tout le week-end, fait qu'ils ont demandé de garder le chien. Puis obviously, ça me fait vraiment vraiment plaisir parce que je m'ennuie d'elle. Je suis toujours contente de la voir. Sinon hier, j'avais vraiment une grosse journée, fait que j'ai pas filmé. Donc on se retrouve samedi le
22 mai. Je suis vraiment à l'avance, je pense, dans mes vidéos. Là. Je sais pas, on va être rendu où. On va être clairement rendu au mois de juin quand vous allez voir cette vidéo-là. Mais c'est pas grave, je voulais quand même filmer un weekly vlog cette semaine. Fait que c'est ça, après qu'on va ramener mon chien, ben on va défaire des boîtes parce qu'il y a encore le bureau là, qui a l'impression de dire ça à chaque vlog. Mais le bureau, il est pas fini. J'ai jamais le temps de le faire, je trouve toujours 6 millions d'autres affaires à faire. Fait que peut-être que je le procrastine dans le fond. Là. Non, sincèrement, j'ai pas le temps. Fait que c'est ça, faut que je fasse du montage, que je publie la vidéo parce que je suis vraiment en retard. Puis après ça, on va s'attaquer au bureau. Puis si on arrive à vraiment l'avancer, là, puis quasiment le finir, demain, j'aimerais ça qu'on commence à faire le gros clean-up de l'appart parce qu'il est dégueulasse. On n'a pas lavé les planchers depuis qu'on a déménagé parce qu'on voulait vraiment faire ça à la fin. On savait qu'on allait tout cocher au complet là, avec les petits bouts de boîte. Puis toutes les va-et-vient chez nous, là. Mais en tout cas, c'est dégueulasse. J'ai tellement hâte de nettoyer, là. Fait qu'on va finir le bureau, on va commencer le nettoyage. Je sais pas si on va avoir le temps de finir ça aujourd'hui. Bon, ça se peut que ce soit dans le prochain weekly vlog que je vais vous partager tout le clean-up de l'appart, là. Mais en tout cas, je vais aller finir mon petit café, puis après ça, on va aller chercher Maya. Ça, c'est mon chien, si vous saviez pas. Elle a comme plein de surnoms, ok? C'est l'enfer, là. Une chance qu'elle est sourde, elle peut, pour une fois, pas les entendre. Mais comme, on l'aime tellement, là, qu'on peut pas s'empêcher de donner plein d'autres surnoms, genre. À la maison! T'as pas une petite marche, j'étais toute contente! Hello! Fait que ça, c'est la tâche de la journée. Fait que on va commencer ça là. Je vais pas filmer trop le processus là, parce que je veux pas encore une fois remplir une carte mémoire. Excusez aussi si on n'entend pas bien, il y a la fan ouverte, puis le. Des humidificateurs! Merci! You guys are so cute! Coucou mon amour! Bon, oui c'est ça, je vais pas comme filmer tout le processus. Je voulais surtout vous montrer le avant puis le après. Ça a l'air de ça. Les affaires ici, ici. Mon bureau c'est pas si pire, c'est comme la place parce que ben, t'sais, c'est mon bordel de quand je travaille là. Mais sinon, t'sais, on a vraiment plein de boîtes ici. Je suis contente parce qu'il y a des affaires, mettons tout le make-up pis tout, ça s'en va dans le petit meuble ici. Pis toutes les skincare, ça va aller dans celui-là. J'ai tous mes vêtements ici comme plus nouveaux que ceux-là je vais accrocher sur mon rack que mon père m'a amené parce qu'il rentrait pas dans notre auto. Fait qu'il l'a amené avec sa van, fait que ça aussi je vais pouvoir aller le mettre là-bas. Mais ouais, t'sais, comme ça là, la boîte de toutes les skincare compagnie que je reçois là, c'est vraiment tout ici, fait que c'est tout des produits à tester ou que j'ai en double, que j'aime full. Fait que je vais pouvoir tout ranger ça là-dedans, fait que ça va vider une boîte, c'est comme plein d'affaires de même. Je pense qu'il y a des boîtes de déco. C'est pas mal ça, le avant, avec mon petit chariot là-bas que je mettais du make-up pour filmer les vidéos. Fait que ça aussi, il va falloir que je trouve un petit endroit. Il y a des boîtes aussi là-dedans, mais ça, je sais que c'était comme des décos. Fait que voilà, je vais vous montrer un petit pendant dans pas trop long. Update sur le bureau. Ça a toujours l'air de la même affaire ici. Mais sinon, j'ai full avancé ici. J'ai défait plein de boîtes. Puis j'ai rangé plein de trucs dans le garde-robe comme ça. Je pense vraiment m'acheter là, comme deux petits meubles que je pourrais mettre dans le garde-robe pour pouvoir avoir plus de rangement. Des boîtes aussi que je pourrais comme empiler ici au lieu de que ce soit juste comme MS. Là, ça, c'est toutes des pelotes de laine pour faire une grosse doudou. Là. Fait que j'aimerais ça faire ça pour l'hiver. Sinon, ça va peut-être rester là pendant un bout. Mon petit meuble ici est presque rempli. J'ai tous mes parfums. Je pense que ça, c'est de la déco. Fait que ça va peut-être rester dans la boîte aussi. Sinon, j'ai des petits trucs à cheveux ici. Le reste est dans le sac de bain. J'ai tout un tiroir de genre masque, skincare and stuff. Ça, c'est crème, sérum. Là, c'est tout comme nettoyant, tonique au thermal. Celle-là, c'est plus corps. Fait que soins solaires, crème hydratante, savon, des trucs comme ça. Fait que, ouais, make-up, dans le fond, il était déjà tout plein de maquillage. Fait que va peut-être falloir que je fasse comme un petit ménage de tout ça. Oh non, je pense à tout genre flipper. Oh, c'est pas trop bougé. Ah, mais les autres, c'était pas comme ça, obviously. Fait que je vais faire la petite organisation là-dedans aussi. Check it là. Si proche de l'assiette de bouffe, mais il ira pas. Oh, oh, elle vient de me voir. Il est où? Elle attend patiemment qu'il revienne pour après lui demander la permission, mais il en donnera pas. Okay, j'ai fini le bureau pour aujourd'hui. J'ai installé ma petite imprimante ici. Puis on tourne, puis il y a mon petit rack de vêtements avec la lumière. Ça, c'est une boîte de déco. Fait que je vais l'ouvrir comme un peu plus tard pour décorer parce que là, c'est vraiment pas une priorité. Ça, c'est plein de make-up. Fait que comme je vous dis, faudrait que je rachète un petit meuble comme ça. Faudrait vraiment que je nettoie ça parce qu'avant, il y avait comme des petits trucs collants avec le plateau. Là, j'avais ça comme maquilleuse. Ça, c'est une boîte avec mon chaussée,
cuir, puis j'ai tout mon vernis aussi à l'intérieur. D'autres petites affaires de même, il faudrait que je rentre dans un autre petit meuble là. Ça c'est d'autres boîtes de plus électronique, papeterie encore une fois, que je sais pas où mettre parce que faudra avoir plus de rangement. Puis mon garde-robe est déjà pas mal plein. J'ai les autres boîtes comme ça ici. Un petit rack avec genre tous mes trucs pour les DIY là-dedans. Mon trépied et tout. Fait que moi, je suis contente d'avoir enfin fini ça. De voir mon rack là. Je suis comme, oh! Genre juste de rentrer dans mon bureau puis qu'il n'y ait plus genre plein de boîtes là. C'est fou satisfaisant. C'est vraiment cool. Il est presque 7h, j'ai commencé à faire le souper. Puis ce soir, on va manger des saucisses au poulet, mangue et jalapeno. C'est comme sucré en même temps, like spicy un peu. C'est vraiment bon. Puis avec ça, on va manger des fèves. Puis j'ai même pas dit, là, par rapport à l'eau, on va faire des patates pilées. Ça va être super bon. Alors, bébé. Qu'est-ce que tu fais? Ça sent les épices, puis c'est clairement spicy. Qu'est-ce que tu fais? Get out of there! C'est tellement bon, puis ça fait longtemps en plus que j'ai pas mangé ces saucisses-là, fait que je suis vraiment hype. Je rentrais dans mon bureau pour faire du montage, puis là, il y a plus de boîte, à part genre celui-là, je suis full contente, ça fait tellement bien, là. C'est tellement plus motivant à rentrer puis qu'il y ait ça, que quand je voyais même pas le plancher, je suis comme, ah, finalement, mon bureau, c'est quand même grand. Bref, comme je viens de dire, faut absolument que je fasse du montage, fait que je vais faire ça, puis après ça, je pense que je vais prendre ça relax, je suis quand même assez fatiguée, on est samedi, j'ai pas envie de trop travailler tard, fait que je vais avancer ça le plus possible, puis après ça, je pense qu'on va écouter un autre film Marvel, puis on va se coucher parce que les deux, on est pas mal fatigués, puis je vais passer du temps avec mon chien, puis oh my god, la lumière! Eh oui, ça c'est vraiment mieux. J'ai tellement chaud en plus. Oh my god, je rêverais d'avoir l'air climatisé en ce moment. Parce que je suis comme un porc, puis j'ai ça, je suis comme toute collée, genre. Fait que c'est ça, je vais faire du montage, puis nous sinon on se reverra demain. Je sais pas pourquoi j'ai fait un piece. Ok, bye! Regardez qui est à côté de moi. Mon petit bébé. Il est trop cute. Je m'ennuie de ça, cette petite présence-là. Mon petit pot de colle. Mon chum est en train de faire un dessin. Oh my god! Checkez-moi les gros cookies! Puis il m'a mis un petit verre de lait en plus! Oh my god! What? Ça a l'air trop bon! Guys! Mmm! C'est bon! Qu'est-ce qu'on fait? Hey! Hey! Un grand jean bien! Elle est venue comme ta voix! T'as-tu vu? Je sais! J'ai pas ta poignée! Oh, le petit saut de bébé! Guys, il reste encore des biscuits ce matin. Je mangerais ça pour déjeuner en même temps, non, genre, pour mal au cœur. Regardez le beau déjeuner que mon cœur m'a fait. Il m'a mis des petites faces. Fuck you. Oh! Enfin, on enlève le tonton. On va le remplacer pour mettre ça. C'est bien plus beau. Quand notre lavabo était bouché. Checkez ce qu'il y avait dedans. Et ce n'est pas à nous. Regardez ça. On est rendu avec un beau petit plafonnier. Donc regardez le nouveau luminaire. Je suis contente. Il n'y a pas les ampoules encore. Là. Ça va être comme des ampoules vintage. On va avoir la table juste ici. Ça va être
trop beau, j'ai tellement hâte. Puis tu peux tout les placer comme tu veux. Genre, tu peux les mettre en angle aussi ou toutes les mettre droites là. Fait que je verrai quel style je vais vouloir quand je vais avoir la table. Mais j'ai vraiment hâte. Hello, on se retrouvera un peu plus tard dans la journée. Je suis en pyjama, il est 1h du matin, je suis en train de faire du montage. Je suis vraiment, vraiment fatiguée. Mais je voulais prendre le temps de terminer le vlog. Hop, juste avant de terminer, je voulais vraiment remercier mon père pour le beau travail qu'il a fait. Il a changé 2 luminaires dans l'appartement, puis il a débouché notre lavabo de toute la merde de d'autres gens. Puis je suis tellement... Ben, la merde, c'est genre des poêles, des feux, puis du savon. Fait que ça donne comme, on dirait une crotte, une bibitte morte. Mais c'est normal, c'était peut-être l'accumulation de je sais pas combien d'années. Fait que bref, un gros gros merci à mon papa. Fallait vraiment que je lui fasse un shout-out parce que c'est full pour l'apprécier. J'ai été vraiment contente. Puis ça a quand même été une journée comme vraiment vraiment relax. J'avais quand même mal à la tête. Puis j'étais fatiguée. Ça faisait plusieurs semaines, même plusieurs mois que j'avais pas pris une journée off. Et je pense que mon corps était en train de me le dire. Ça a tellement été des grosses semaines avec le déménagement là que c'est ça. Mon corps me dit « Hey, faut que tu te calmes. Prends un relax aujourd'hui. » Puis laisse-toi gâter avec ton père qui change les luminaires et qui débouche ton lavabo. Bref, j'ai terminé la vidéo là-dessus puis je vais aller me coucher parce que j'en ai vraiment besoin. J'espère vraiment que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, vous me laissez un petit thumbs up et également vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. J'ai dit ça sans respirer. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Lara Glamour avec 2 M. Je pose vraiment quotidiennement en stories. Je veux le plus possible, genre vraiment bientôt, recommencer à faire des posts vraiment quotidiennement. Je m'ennuie de prendre des photos pour vous partager plein de choses, puis être comme plus créative. Puis avant, c'était beaucoup centré sur le fashion sur mon Instagram, mais là, j'ai envie d'amener comme du home decor. Enfin, en tout cas, quand j'ai le temps, je veux vraiment recommencer à prendre full de photos sur Instagram. Mais sinon, vous pouvez vraiment suivre mon quotidien en stories. Et voilà, j'espère. On va voir dans une prochaine vidéo. Bye bye!